Salut à tous, c'est Damzou sur Open Versailles 4 avec Lorisha. Alors, à l'épisode précédent, on avait empêché Bamani de manger tout Gujarat et au passage, on leur avait piqué une petite province. Par contre, ça m'avait coûté globalement assez cher au final. Surtout qu'eux, ils ont leur technologie niveau 7 et pas moi du tout 6-5-7. 6-5, putain, ils sont en avance, c'est clair. Bon, en même temps, ils ont dépensé très peu de points diplomatiques et très peu de points administratifs dans leur développement par rapport à moi. Et j'ai une relation en trop. Ouais. Toi, il va falloir que je désactive l'accès militaire sur toi. Multan, il me faut plus d'accès militaire chez eux. Ensuite, il me faut plus d'accès militaire chez Gujarat. C'est en fait des accès militaires quand même à désactiver. J'ai toujours trop de relations. Mais pourtant, je l'ai désactivé. Je l'ai pas révoqué. Ah, j'ai peut-être révoqué mon accès militaire chez Sine sans le faire exprès. J'ai le droit que de... Comment ça, j'ai le droit à deux relations diplomatiques? C'est ouf, c'est quoi ce bordel? Retirer dans les contemplations. Ah, ouh, ok, en fait, donc mes points diplomatiques, je vais les perdre pendant un long moment. Donc la question c'était de savoir, eux ils sont alliés avec donc en fait c'est ces coins-là. J'ai accès à Marwar. Donc je pourrais faire commencer à revendiquer ces territoires-là aussi. Donc c'est ce que je vais commencer à faire. Réseau d'espionnage chez eux. Ensuite, je peux regarder est-ce que je peux commencer à vassaliser dans le coin. Trop loin. Vassalisation, à mon avis, serait de pire en pire. Donc, de toute façon, j'ai qu'une seule chose à faire, récupérer mes hommes. Et attendre que la situation s'améliore. Malwa, Sistan et Bengale. Sistan. J'étais allié à un mec qui est tout là-bas. C'est assez impressionnant, donc toi ça sera pas possible pour l'instant. C'est une dépendance des Timourides. Oh la vache. Ils ont réussi à vassaliser un mec comme là-bas. Un mec là-bas. Allez, vous reprenez l'entraînement. Bengale, je sais pas, ça fait un moment que t'es pas suivi, donc est-ce que t'es engagé dans des conflits? Ok. À mon avis, le Bengale, t'es pas entré dans un conflit très important, parce que c'est qui? Shutaya, ouais. Tu grossis son problème. Pas de conflit, c'est Delhi, ton alliance, c'est Bengale et Sindh. Tac. Tac, donc s'ils attaquent le Jaunpur... On tape ça, sauf que le Jaunpur répond avec moi, le Tirut et les Timurides. Ouais, sauf que les Timurides, autant qu'ils interviennent, il y aura du temps. Alors, on va repérer les régions où ça vaut le coup de faire des revendications. Celle-là, ça vaut le coup. Bon, globalement, j'ai récupéré mes effectifs. On va aller récupérer un général de plus. Pourrait exiger une contribution. Déjà, on va recruter ça pour commencer. Puis, on va prendre 80. Je suis endetté à 800 ducats. Je gagne 4. Globalement, je peux m'en sortir. Sachant que la lassitude de guerre diminue en plus.
Faut attendre. Normalement, on va pouvoir s'en sortir sans problème. J'ai pas regardé les Jane, c'est 83, 91. Toi, 84, ok. Et recruter des Rajputs, c'est dans 2 ans. Là, les Rajputs, en ce moment, on n'est pas très très bon avec eux. Donc, Shintaya, donc le Bengale a encore grossi. Mais en ce moment, on va dire que le Bengale, il est pas trop dans mes capacités. Hein. Donc maintenant, on va mettre de côté parce qu'il va falloir qu'on recrute des canons. C'est très important que l'on ait une armée de canons. Attendez, le Bengale qui se prépare à attaquer ces gens-là. Ava et Mongé. Ava c'est ça, Mongné c'est eux. Non, ce n'est pas ceux. Non, c'est ceux-là qui se préparent à attaquer. Oh là là, c'est gratuit quoi, mais ça c'est. Ah, c'est tellement gratuit quoi ce qu'ils ont comme attaque à faire là. Ça me désole. Faut que je prépare l'annexion de Andara. Il gagnerait combien? Même pas, ils ont même pas fait une vraie guerre. Attends, je prépare à attaquer le Népal. Cam, le U et la DAC. Et la DAC. Ok. Peut-être que ça pourra peut-être les retarder un petit peu, mais maintenant qu'il y a Jibamani, enfin, il y a beaucoup trop de monde. On va prendre la novatrice. Au niveau des dirigeants, j'en suis où? Ok, actuellement j'ai lui que pouvoir. L'héritier est pas génial. Quoique l'héritier au final fait la même chose. On peut rembourser ce crédit donc on le fait. Donc, t'as ramené tout le monde. Et toi, t'es venu tout seul. Donc le Bengale a des possibilités sincèrement de souffrir. Vijayanagar qui souffre, c'est une blague. Vijayanagar, attendez. Juste de quoi avoir peur. 18 000 hommes. Même Bamani, je suis sûr, c'est déjà quasiment mieux remis. Continue de t'entraîner. Continue de t'entraîner. Bon, j'ai pas pu rembourser ces deux crédits là. Alors, okay, là c'est bon. J'ai du thé allié à Vijayanagar. Oui, ça je le savais déjà. Tac. Est-ce qu'on peut mettre en avant l'hypothèse d'une possible guerre? Est-ce que ça, Vijayanagar va pas les aider? Mais il me faudrait un accès militaire ici. On va préparer ça. Il y a quand même une pré-région à 8. Et ça m'intéresse qu'il rentre dans mon domaine. Toi, tu t'es allié à Sistan et Bengale. D'ailleurs, c'est possible que le Bengale, dans cette guerre, s'il s'investit correctement, il vienne plus tout tenir. Ça, c'est plus que probable même. Un truc à 12, ça m'intéresse beaucoup. Dites pas que c'est quand même pas mon copain qui me met le plus dans la merde quoi. C'est mon copain qui m'empêche de pouvoir faire une future guerre contre Bamani quoi. Ah, à moins qu'on puisse viser directement Bamani maintenant. Régiment Rajput. Il faut
faut qu'ils aient une loyauté de moins 50 dans 4 ans. Merci. Ça me fait plaisir, sincèrement. Voilà. Plus que 5 emprunts. Donc, à mon avis, ils vont gagner sans problème. Ah, peut-être qu'en plus, ils vont peut-être taper une petite re des petits rebelles qui peuvent les embêter. Delhi, pourquoi est-ce que Delhi bouge son armée? Parce que Delhi a été appelé. Ok, si Delhi a été appelé, il n'y a aucun problème. Ils auront aucun souci. On va perdre du prestige, que j'ai besoin absolument de recruter des troupes. Alors le souci, c'est que si j'attaque lui, ça serait pour vassaliser cette partie-là après. Et ça va me mettre dans du... Putain, ça va me donner tellement... Beaucoup trop de retard, quoi. Et si j'attaque... Remarque, si je le fais disparaître cette alliance avec Vijayanagar, ça peut m'arranger. J'essaie de se mettre à jour le plus possible. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Alors, une attaque ici par exemple. Le Bengale viendrait. Ok. Une attaque directement sur Malwa. Le Bengale tiendrait pas beaucoup non plus, faut pas abuser. Une attaque sur toi. Maintenant, putain, Vijayanagar vient maintenant. Il y a longtemps, il y a un moment, il venait pas. Attaque sur Gujarat, Multan qui vient. Sindh, j'ai combien de points avec eux? J'en ai 18. Et remarque, pour attaquer avec Sindh. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'attaquer avec Sindh? Pas grand-chose, à vrai dire. Sindh a suffisamment d'hommes pour bien faire le ménage. Une stratégie intéressante, celle-là. Comme ça, j'empêche le Bamani de venir croquer là-dedans. C'est moi qui croquerai. Surtout qu'ils n'ont pas des alliances géniales. Donc en attendant le Bengale qui avance, bah tranquille. Non, le Bengale est déjà là-bas. Ok, par contre, en faisant ça, le Bengale peut se rapprocher dangereusement du Ming. Il pourrait mettre des conflits contre le Ming. C'est une partie qui peut être intéressante pour moi, ça. J'attends absolument de pouvoir faire ça. L'air de rien, je rembourse quand même de moins en moins. Toi, c'est... J'avoue, j'aurais préféré avoir celui-là. J'aurais économisé quelques points. Ah, il y a du rouge ici. Pourquoi? Népal. Ok, donc Delhi peut peut-être prendre un peu. J'y crois pas beaucoup, mais on sait jamais. Alors ça, j'ai déjà revendiqué. C'est 35, c'est-à-dire que j'ai déjà 3 revendications. Bah, du coup, il ne manque plus que celle-là. Parfait. Ça veut dire qu'il passe à 6. Il a juste en militaire où il est un peu à la ramasse, mais en ce moment j'ai mis un boost en militaire pour régler le problème. Voilà, toi tu en as plus besoin. Donc on va faire un, améliorer les relations avec toi. T'as ton mariage royal, il était plus là. Mariage royal, j'ai toujours avec toi. Mariage royal, j'ai toujours avec toi là-bas. Toi c'est pareil, on n'est plus trop potes actuellement.
Est-ce que le Bengal prend plus cher? Non, le Bengal a pas l'air de prendre globalement plus cher. En plus, faut que je profite que Delhi soit occupée, justement. L'Afghanistan se prépare à... Non, c'est les Timourides qui se préparent à attaquer l'Afghanistan. L'Afghanistan s'est allié à 30. Ouh, ça c'est pas bon ça. Par contre, ça voudrait dire que ça enverrait Delhi faire une guerre contre les Timourides. Non, les Timous sont trop gros là, c'est pas bon pour eux. Ça peut pas être bon du tout même. Bon, je pourrais recruter mes 5 canons, ce serait déjà ça. Il me reste 500 et quelques ducats de dette. L'inflation grossit lentement. Jaunpur, t'es en guerre contre qui? Ok. C'est-à-dire que c'est Delhi qui est en guerre contre tout le monde. Ok, bon, Jaunpur va avoir du mal à tenir. Mais c'est le moment ou jamais pour manger Gujarat. J'ai pas le choix. Faut que j'aille les manger maintenant. Mais c'est pas possible. Vijayanagar, ils ont pas de bol ou quoi? Allez, rembourser. Là, franchement, je trouve qu'ils ont pas de bol là. Ils enchaînent la merde, quoi. Ils enchaînent tout ce qui est pourri. Ça, quoi qu'il arrive, je peux pas faire grand-chose en attendant ça. Parce que dès que j'ai récupéré 10 000 hommes, je me lance là-bas avec Céline en soutien. Clairement, Jaunpur ne peut pas durer, ne pourra pas rivaliser contre Delhi longtemps. Par contre, peut-être que les Timours ont suffisamment d'armées. Non, les Timours ont jamais suffisamment d'armées pour le faire. Donc Jaunpur va prendre une sacrée fesse, une sacrée fessée. Donc il faut absolument que je grossisse suffisamment et que... Et que je t'en... T'es allié à qui? Non, oui. À mon avis, t'es mort tout court. Alors, améliorer les relations. Améliorer les relations. Qu'on en profite. Au moins j'ai un petit peu d'innovation. Ah, quoique en réunissant leurs armées, ils ont peut-être le niveau. Ils sont 6, ils sont 6, putain, c'est des poulets. Ils sont tellement à la ramasse en armée, quoi. Plus qu'à 472 ducats de dette. John, le Delhi qui vient de perdre une bataille, donc là il devrait enchaîner tout de suite pour leur remettre une nouvelle défaite. Eux ils sont en train de gagner, il n'y a plus qu'âme, même si d'un côté ils prennent quand même sacrément cher. Puissance commerciale locale, Maldives, j'en ai rien à cirer, et c'est Sringi quelque chose. Attendez, je vais regarder ça. Bon, j'ai eu les 100 points. Ça aurait été cool qu'ils prennent ce point-là, il aurait été vraiment une fureur. Donc c'est cette province-là. Soit de la productivité locale, soit du commerce. Là, c'est pas du tout un centre de commerce, donc on va prendre de la productivité locale. Donc on a dit que c'était 9 ans, donc on va commencer à monter ça. On est en 83, donc normalement 83 c'était l'année de faire ça. Il me faut que je monte ma corruption, ça c'est vite fait.
C'est réglé. Ok, ensuite le temple. C'est 91, donc c'était pas ça. Et là, c'est des sorts. C'est dans un an encore. C'est long d'attendre un an. Ah, remarque, Delhi prend peut-être un peu cher là. Parce qu'il perd contre le Népal. Par contre, ils ont réuni 38 000 hommes là ou. Ok, c'est bien qu'ils gagnent en influence. Ouais, c'est qu'il y a transactionnel aussi. Attendez, là par contre, eux ils sont bien montés. Non, ça va. Ça reste gérable. Donc on va tout de suite rembourser deux emprunts. Il ne me reste plus que deux crédits à payer. Ah, il y a eu une paix. Delhi a signé la paix avec qui? J'aurais préféré que Delhi prenne plus cher que ça. Ils sont alliés à Chagatai. On va aller discuter avec Chagatai. Et on va aller discuter avec Transaction aussi. Parce que nous, tac, tac, on est potes. Et tac, tac, on est potes. Donc au niveau des crédits, on a bien remboursé. Au niveau des réserves, on les a bien fait avancer. Toi, ta guerre, tu la gagnes sans problème, c'est sûr. Par contre, t'as quand même épuisé un tout petit peu Patna. Patna, c'est une province que j'ai donnée à qui? Ok, donc c'est-à-dire que c'est de la production locale. Du commerce, ça sert à rien. Impôts. Allez, vas-y, essaye de faire rêver un petit peu des réserves locales. Le faire revenir. Bien, on a un général qui passait 3 étoiles. Il y a eu une paix qui a été signée quelque part. Maintenant, c'est Jaunpur qui est en train de subir l'attaque de Delhi, ça fait mal. Ah, j'avais pas fait gaffe à Fars. Ok, bon, bah. Je pense qu'on va annoncer la chute des Timurides maintenant. Et avec eux, ils vont entraîner Jaunpur. Ce qui est très embêtant. Du coup, Delhi va bouffer Jaunpur. Ce qui me gêne beaucoup aussi. Alors, c'est le moment de profiter des améliorations. 150 points, c'est parfait. Flatté. Tu vas tout de suite. Attends, attends, attends. C'est-à-dire que j'en ai déjà deux actuellement. Et qu'ils ont que 10 provinces. Les ordres. Ça, c'est les Rajput. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc, c'est peut-être le moment de donner d'autres provinces aux Rajput. Quoi, les ressources ici déjà? Qui est la ressource ici? Non, là c'est une province, je l'ai pas donné, mais je vais pas donner ça à des Rajput quoi. Ah bon, c'est pas, on va recruter 8 comme ça sera déjà pas mal. Bim, ça coûte trop cher actuellement. On va chercher le soutien des guildes. Et la suite arrivera prochainement. Et on va se mobiliser maintenant là-bas. Donc on va attaquer avec les Sindh. Ok.
commençons à recruter quelques mortiers derrière. Ne servirait à rien, trop cher. On va obtenir après. Ouf, c'est passé chaud là. Parce que je veux des mortiers. Voilà. Donc on va appeler les Sindes. Bengale se prépare à faire son attaque tranquille. Vijayanagar a des relations si mauvaises quoi. Voilà, on est prêt. Donc on attaque ici, tac. J'appelle Sindh. Et on va mettre l'objectif de guerre sur Vadora. Normalement, on est très large. J'ai pas raté leur armée de grand chose. Bon là finalement leur armée il est pas raté. 18 000 hommes gratuits, ça fait 10 000 hommes gratuits, ça fait plaisir. Putain, 7 000 de plus gratuit. Bon bah, j'avoue que je m'attendais pas à un carnage pareil. Les mecs ils m'ont clairement offert leurs armées. Laisse cela et toi tu vas continuer à passer en dessous. Bon, eux, je vais en avis, j'ai une petite idée d'où ils vont aller, donc on va juste tranquillement marcher vers la capitale adverse. 1, 2, 3, 4. Tac, c'est là-bas, et tac, c'est là. Bon, bah, la guerre, comme on dit, guerre éclair. Maintenant, des mercenaires moins chers et avec un petit bonus de légitimité, on devrait s'en sortir mieux. Et eux, si j'y tente de faire un siège qu'ils peuvent pas faire, on va pas dire que ça va me déranger. En soutien. On pille doucement, donc on n'est pas pressé. Retourner là-bas soutenir. J'ai envoyé suffisamment de renforts. Pff, par contre, ça va me coûter cher. Donc, ouais, en fait, Sindh fait la guerre d'une manière très bizarre. On n'arrive toujours pas à passer. C'est une blague. Putain, oui, c'est un fort niveau 3, c'est normal qu'on n'arrive pas à passer. Toi, t'es à 40%, donc ce serait bien que tu tombes. On est tous d'accord pour dire que c'est quoi ça? Orisha reçoit... Combado. Moins 70.
Ouais, merci de me le donner. De toute façon, il m'obéit déjà pas, alors où est le problème? Ok, donc du coup, ici j'ai 13 000 hommes. On va attaquer tranquillement. Le temps de récupérer ces provinces-là, on est bon. Toi, est-ce qu'ici il y a eux? Il y a 2 000 de leurs hommes, c'est pas grand-chose. Ils ont pas envie de se rendre actuellement. Tac. Nos vassaux, on va allumer. De toute façon, ils sont déjà en soutien, donc ils vont venir ici. Parfait. Alors ensuite, il y a une mande là. Est-ce qu'il y a une un endroit central? Oh putain, il n'y a pas d'endroit à traverser. Hein. Maa. Narmada. Bir Oriental. Répour. Ratana quelque chose. Ah ben non, le Ratana, je le vois pas. Toi, t'as pas de traversée avec Mandla. Tac, 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 et tac. Payé. Ah, ils ont signé la paix. Ça m'intéresse. Parfait. Du coup, ça veut dire que ils ont pas perdu de territoire. Contre Delhi. Donc c'est très bon. Voilà, mon territoire, je l'ai pas perdu, on est bien. Parfait, Multan, tout de suite. Je vais tout de suite signer, vous nous donnez tout votre argent, vos réparations de guerre. Vous mettez fin à votre rivalité. Enfin, c'est le cas de dire qu'il n'y a pas grand-chose à se faire avec vous. 10 lucas et un tout petit peu de prestige. On avance très lentement, nous. Ok, par contre, tous mes généraux sont morts, ça c'est cool. Des généraux que j'avais achetés il n'y a pas longtemps pourtant. Non, ça c'est un peu mauvais signe d'attaquer là, elle en est en colline déjà. Fort niveau 3. Parfait. Toi maintenant, hop, divisé en deux. On va terminer avec ceci. Toi tu fais ta guerre à Kot, c'est pas trop tôt. Si vous voulez. Tac tac. Donc toi. On va te faire retirer. Vassaliser, ça fait un peu trop. C'est ce que je pensais aussi. 120 ducats, ça me plaît. Tu vas mettre fin à ta rivalité. Libérer des pays, ça m'intéresse pas. Pourquoi tu veux pas moins 4? Non, remarque, ça me sert à rien vu qu'on n'est vraiment pas du tout dans les endroits intéressants. On peut tranquillement attendre que ça finisse. T'es dans une deuxième guerre, Sindon? Non. Ah, ils sont repartis à l'attaque. Ok, donc pas de soucis. Bon, ça m'aura coûté un peu d'investissement. Voilà. On s'en sort très bien. Maintenant, on fait le siège tranquillement chez le vassal. Passer de l'autre côté. Passer là-bas. Lui, il devrait commencer à
Voilà, il me donne ton argent, il donne des réparations de guerre. Et il accepte de se retirer. C'est l'idéal. Le Bengale, par contre, là, il a des ambitions un peu trop despotiques à mon goût, ça me plaît pas. Au niveau des hommes, c'est pas grave, on a dû en perdre 5-6 000, qu'il n'y ait pas plus. Alors, déjà partout où j'ai des revendications. Par contre, j'avoue que mettre Delhi dans la coalition, ça m'énerverait un peu. Est-ce que Delhi sont en forme? Ouais, bof, Delhi sont pas en forme de toute manière. Gujarat, ils seront pas en forme. Multan, ils sont pas en forme. Et Malwa, ils sont pas en forme. Malwa, il garantit l'indépendance de Marwar. Putain, c'est dommage que Vijayanagar soit remis. Hein. Donc, je suis prêt à prendre ça minimum. Des réparations de guerre. C'est juste des sous. De toute façon, Delhi peuvent déjà être en coalition contre moi s'ils veulent. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. J'ai pas les points actuellement, donc va falloir attendre. Voilà, au moins je coupe ici pour la prochaine guerre. Parfait, on valide. Sont à peine en dessous, donc c'est pas gênant, on va pouvoir le prendre. Il devrait très vite faire la paix. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calmer tout ce monde. Ce qui n'est plus très efficace, à moins que j'ai beaucoup de lassitude de guerre sans le savoir. Non, j'ai pas beaucoup de lassitude de guerre, par contre j'ai peut-être beaucoup d'expansion agressive sans le savoir. Prone, c'est eux. Prone, ils sont alliés à qui? Putain, mais... Ils sont pas, en plus, ils sont pas frontaliers avec les copains, donc ça m'arrange pas. Donc là, j'ai une première armée, une deuxième armée. Économiquement, ce serait mieux que je me débarrasse d'eux. On va rembourser un emprunt. Il me reste plus que du coup. Il me reste toujours deux. Parfait. Vous venez de me financer une légitimisation. C'est magnifique ça. Vous venez de me payer certainement une deuxième légitimisation. Il m'en reste plus qu'une affaire. Par contre, niveau financier, la lutte contre la corruption, il y a un et quelques. C'est peut-être ça qui va me causer un peu quelques soucis. Mewar, pas de soucis. Alors, Marwar, on va tout de suite retourner faire le réseau. Toi, on va tout de suite retourner faire le réseau. Jagatai. On les met en amical. Transaction. Non, pas. Avec eux, j'avais pas dû travailler encore. Si, on vient juste de commencer. Ok. Donc toi, par exemple, tu étais allié à Vijayanagar. Ah, il y a une guerre. Ok, donc c'est-à-dire que c'est le moment ou jamais, parce que eux, ils vont se taper.
C'est cool de pouvoir être mis à jour. Je pensais pas que j'étais en retard à ce point-là, mais au moins on est à jour. Est-ce qu'ils sont à 8? Non, ils sont pas à 8. Encore 1 mois, voire 2 mois. Non, faut pas que je te le donne. Toi, je peux te le donner. Quoique. Transactionne, arrête de discuter avec toi actuellement. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de partir foutre le bordel chez Babetti. Donc, là, je peux avoir accès à tous mes hommes. Vijayanagar, première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'attaquer Venade. Bengale à 27 000 hommes. Donc sur mon front j'ai le Sind, moi, plus l'armée de Gujarat, contre 18 000. Et en plus à la frontière j'ai déjà... Je sais que tu le voulais, donc je te l'offre. Oh putain, 40 minutes. Ah, vous avez fait long. Allez, merci d'avoir suivi. Ciao, ciao.